Monte le son et détends-toi avec DJ On Next. Eh bien, salut à tous et à toutes et je suis content de vous retrouver pour ce premier épisode fantasmatique, fabuleux, magistral. Déjà, fantasmatique, ça se dit pas et je m'en porte un peu trop pour ce que c'est, même si je suis extrêmement heureux de vous retrouver sur la 1.29 pour ce nouvel épisode de l'aventure nostalgique. Je suis ultra content, ultra satisfait, ultra, beaucoup trop ultra dans cette phrase. Je suis donc sur Erat, ce serveur 1.29 officiel sur la version espagnole. Alors, je réponds tout de suite à tous les détraqueurs qui vont me sortir. Ouais, non, mais t'as plagié Ezor, Ezor il l'a fait avant toi. Alors déjà, Ezor est un ami. De deux, j'ai été le tout premier youtubeur d'Ofus à lancer un concept sur Erats ou Enual. Donc voilà, je vous emmerde si vous voulez critiquer à cause de ça, parce que vous y connaissez absolument rien. Je suis super content de retrouver tous les gens qui m'ont demandé des vidéos sur la 1.29, vous avez été nombreux en cette année où je vous ai totalement zappé, et je m'en excuse d'ailleurs d'avance. Merci beaucoup en tout cas, parce que la vidéo d'annonce a été extrêmement bien accueillie et j'en suis très content, très très heureux. Alors, j'ai rejoint la guilde Inconnue, qui est donc la guilde ici, elle est pas inconnue, hein, c'est le nom de la guilde. Je l'ai rejoint, ce sont des gens réellement très sympathiques et j'en suis très très heureux. Que devrais-je rajouter? Oui, je rajoute qu'il y aura un épisode par jour de cette série, mais j'alternerai. Par exemple, là j'ai créé un Xelor, parce que j'avais envie de jouer en fait une classe pas trop jouée à l'époque. Parce que déjà, les Sacrieurs, c'était le truc le plus joué avec dissolution et absorption. Ensuite, t'avais les Kras avec la flèche explosive. Ensuite, t'avais les Yop. Enfin, tous ces genres de classes étaient extrêmement joués. Je me suis dit, pourquoi pas un Xelor, le maître Agi, jouer avec Flétrissement. Parce que Flétrissement, c'est souvent oublié, mais c'est un sort très très fort sur les Xelor. En plus, tu peux l'aiguë facilement, parce qu'il n'y avait pas les esquives PA, les esquives PM. Tout était uniquement joué sur la sagesse, donc ça pouvait être vraiment très intéressant à faire. Et puis voilà, et donc un Xelor, et je suis parti sur un Xelor. Il est niveau 2, pourquoi? Je vous explique pourquoi il est niveau 2, parce qu'en fait, j'ai tourné l'épisode 1 juste avant. En fait, non, ça c'est l'épisode 1. Et je me suis fail et j'ai oublié le son. Sauf que vous proposez de la 1.29 sans la musique en fond, ce n'est pas de la 1.29. Je vais essayer de faire des épisodes à peu près de 15 minutes, vous savez. Là, sur celui-là, il fera à peu près 10 minutes parce que c'est le premier et que je vous pose juste les bases de la série. Mais, comment dire? Qu'est-ce qu'il raconte, eux? Ok. Donc, je vais essayer de vous proposer un épisode par jour, ça c'est dit. Qu'est-ce que je disais? What? Oh putain, eh, ça vous arrive pas des fois, genre vous parlez, et vous changez de sujet d'un coup, et vous arrivez plus à revenir sur ce que vous disiez, donc on va continuer cette vidéo normalement, ce n'est pas grave. Non, en tout cas, je suis vraiment super content de vous retrouver sur la 1.29, parce que c'est vraiment ma version, c'est comme ça que ma chaîne a été lancée. Disons que je suis passé de 1000 à 6000 abonnés grâce à Dofus 1.29, donc il y a au moins 5000 personnes parmi vous qui me connaissent depuis assez de temps pour savoir que j'ai lancé le concept et que... vous me connaissez pour ça et que vous me suiviez à la base pour ça. C'est vrai que sur YouTube, j'ai toujours été un très grand casual. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de perso genre trop fort, genre à la Sapo ou à Naga ou à la Umi. Des gens que je respecte et que j'adore pour la plupart. Non, moi j'ai toujours eu des persos bas niveau et tout, mais vous me suiviez souvent, très souvent, pour ma voix, et c'est vrai que le Let's Play 1.29, le fait que j'ai innové, à l'époque ça avait beaucoup plu parce que ça donnait un peu une identité à ma chaîne, parce que j'en avais pas vraiment. C'est vrai que de toute façon, Dofus 1.29, c'est vraiment ce qui a donné une identité à ma chaîne. Parce que par exemple, vous suivez Humility, son identité c'est son Feka. Vous suivez Sapeu, lui il a pas vraiment d'identité à ce niveau-là, lui il a surtout. On sait qu'il est fort et qu'il fait vraiment des trucs très bons en PvP. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Moi j'avais pas de ça, je faisais des vidéos lambda, j'étais un youtubeur lambda qui innovait pas, et quand j'ai lancé ça, c'est vrai que par exemple maintenant quand vous tapez mon pseudo sur YouTube, DJ0Next, vous tombez directement par une proposition de YouTube qui vous dit DJ0Next 1.29. Donc voilà, c'est à partir de là en gros les gens m'ont connu pour ça, et c'est vrai que maintenant par exemple quand je rencontre des gens en convention, et quand je leur demande comment ils m'ont connu, ils m'ont tous dit presque à la 1.29, et ça me fait plaisir au final, hein. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, bref, je parle beaucoup pour rien,
J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir que je reprenne ce petit display. Je pense que vous pouvez sentir quand même une légère excitation, une légère érection. What? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Désolé. Non mais vous sentez vraiment, je pense que je suis vraiment content de reprendre ce let's play et de rejouer avec vous. J'ai le sourire, j'ai la banane et pas que aux lèvres. Cette phrase était totalement vicieuse et dégueulasse, mais ce n'est pas grave. Je vais peut-être mourir là, en fait. Il a un peu beaucoup de PV. Je suis un peu dans la merde en fait. Non, je vais pas mourir dès le premier épisode comme une merde. Non, mais rassurez-vous, tout est contrôlé, tout est voulu. Tout est voulu, j'ai dit. Donc la prochaine fois tu tacles, sinon je suis mort. Non. Non, mais en fait, c'est... Fouineux... Oh, génial. Non, c'est bon, normalement, je meurs pas. C'était chaud patate, mais non, normalement, c'est bon. Normalement, je l'aile. Bon. Je l'aile, ou la cuisse. Ok, c'était la veine de merde du jour. Si j'y vais, est-ce qu'il me touche? Non, il a que 3 PM, normalement. Ok. C'est parfait. C'est tendu comme combat. Retrouvez DJ on Next dans le combat le plus compliqué de sa vie. Next contre le crabe. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait un bruit de lion atrophié, mais... Et donc oui, je disais, voilà, ça vient de me revenir. Enfin, je disais pas ça, mais je voulais vous le dire, donc autant vous le dire maintenant que ça me revient. Je vais vous proposer un épisode par jour, oui. À part pour les peut-être 5 ou 10 premiers épisodes où ça sera continu, c'est-à-dire par exemple là je vais tourner juste après un autre épisode, ceux d'après ça sera différent. Enfin, pourquoi ça sera continu d'abord, je vous le dis, parce que je vais les tourner ce dimanche, je vais tourner entre 5 et 10 épisodes pour ce dimanche, et je vous dirai de toute façon à la fin du dernier épisode que bah là c'était les épisodes du dimanche et que à partir de maintenant ça risque d'être un peu plus intéressant. Donc en gros, pourquoi? Parce que vu que je vais tourner d'un coup, je peux pas me permettre de jouer entre les deux. Alors que là, par exemple, ensuite, après cette petite série d'épisodes, je pourrais en fait alterner. Par exemple, il y aura des jours où je jouerai pas vraiment, je vous commenterai genre un PVP qui est en moins 0. Des jours où, je sais pas, je ferai un truc intéressant, un donjon spécial ou un truc, je sais pas, un truc lambda, mais pour innover un peu. Mais et j'aurais joué entre les deux, parce que bah il y a des jours qui se passent et je tournerai pas tout d'un coup. Donc j'aurais genre pris 5 levels entre les deux ou un truc comme ça, ou fait une amélioration de stuff. Pas genre un truc à la chaîne comme un random let's play de n'importe quel autre jeu vidéo. Voilà, pour vous dire. Il y a un truc qui faisait vraiment bien XP en 1.29. C'est le tableau qui se trouve pas ici. Voilà, je viens de me faire troll. On va afficher la minimap. Oh, le boon. C'est vrai que j'avais oublié ce petit boon. Alors on y va, ouais, le tableau est juste en haut. Donc le tableau était réellement intéressant. C'est vraiment un des trucs que j'adorais en 1.29. Parce qu'on lui suffisait de lui parler et ensuite de cliquer sur le tableau. Et pouf, magie. Alors là faut que j'aille niveau 17 pour flétrissement. C'est le but, pas de l'épisode, mais c'est le but de la vie. Hop, niveau 17. Et c'était pas un tofu genre d'incarnam, c'était un vrai tofu. Et c'est ça qui rendait vraiment ce tofu intéressant, parce que du coup il vous donnait l'XP du vrai tofu. Sinon, j'espère que vous avez passé des fêtes, enfin, une excellente période de fêtes. Normalement, cet épisode sort dimanche. Moi, par exemple, pour le Nouvel An, je vais à Rennes. J'habite Paris. Rennes, c'est en Bretagne. Avec des amis. Et ça risque d'être fortement intéressant. On va se taper des barres. Je pense que vous connaissez Aishi, avec qui j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Je serai avec lui. Il y aura d'autres gens comme Yuri, Zatad. Non, c'est vrai qu'ils viennent pas. Il y aura Yuri, Ray, etc. Enfin, des gens vraiment sympathiques. Il y aura Baltou aussi qui viendra au Nouvel An. Enfin bref, ça serait sympa. Alors. Je m'éloigne pas trop là parce que bah si je m'éloigne trop, je n'aurai peut-être pas la zone aiguille. Alors que là, bah, par exemple, je peux la voir. Non, il manque un PM. On va le faire revenir. Et vous allez voir qu'il XP un peu mieux. Il sera plus facile de toute façon dès que j'aurai Rayon Obscur pour le tuer. Qui est, je crois, niveau 6 ou 9, je sais plus. Bon non, ça XP pas tant que ça non plus en fait. Bref, c'est pas mal déjà je pense. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment, vraiment pas dégueu. Combien de temps que je filme? 9 minutes. C'est suffisant pour ce premier épisode de présentation.
Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette série, j'espère que ce retour vous plaît. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. J'aurai essayé d'à peu près niveau 15, je pense, pour ce deuxième épisode. Parce qu'en fait, on est samedi. Je vais essayer d'XP un peu pour comme ça demain, je serai niveau 17 et je pourrai faire des trucs plus intéressants. Donc je vais essayer d'up 17 pour le prochain épisode. Et puis voilà, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Les prochains seront plus longs, je vous rassure. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne bouffe, une bonne baise, une bonne chiasse, une bonne douche. Et je vous dis à bientôt. Ciao.